un foutait vieux avec Bertin et tout. Ozonais, pardon, de Jérôme Léharou, entraîneur-joueur. Je savais pas que tu étais joueur, excuse-moi Jérôme. Et Fabien Melge, auteur du deuxième but. Bon les gars, la Coupe Régis Failly, c'est dans la poche. C'est, honnêtement, en début d'année, vous pensez gagner la Régis Failly aujourd'hui là? Franchement, même il y a un mois. Ouais, pas du tout. Pas bien. Il y a un mois, on pensait pas la gagner déjà, mais bon, voilà. On a passé l'écart, en demi, c'est bien passé. Et puis voilà, on a joué à fond. On a joué avec notre cœur. Et aujourd'hui, on a souffert contre une équipe de Portugais. Ils ont été très forts. Ils nous ont dominés. Ils ont loupé beaucoup d'occasions. Et on l'emporte à la hargne. Parce qu'on avait plus envie et on était réaliste. Voilà, on a été très réaliste. Et putain, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Est-ce que justement, le tournant du match, c'est pas le penalty qui loupe juste avant la mi-temps et vous rentrez à 0-0? Si, c'est ça. C'est clairement là que. Ouais, bien sûr, c'est joué là. Nous, on a deux occasions, on les met donc. C'est cool, franchement, on est super heureux. Ouais, le fait que tous les supporters ont fait le déplacement, parce que c'est devenu à 2 heures de route, ils ont été génial ça. Ils ont été magiques, ils nous ont transcendés. C'était trop fort, c'était trop beau. Bon, félicitations en tout cas, les gars. Merci. Champion, mon frère. Coach des Portugais du Puy, Antonio Santiago. Antonio, défaite 2-0 contre Ozon en finale de la Coupe Régis Failly. Et pourtant, honnêtement, vous avez vraiment eu des occasions de remporter ce match, et notamment un pénalty juste avant la mi-temps que vous ne transformez pas. Exactement, on a dominé le match. Il faut être clair, on a vraiment dominé le match. On s'est procuré énormément d'occasions. Comme tu le dis, le pénalty, qui passe 50 mètres au-dessus. Ils ont été beaucoup plus réalistes que nous. Deux occasions de but, on n'a pas su tuer le match au bon moment. C'est le football, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et aujourd'hui, c'était en faveur d'Ozon, donc félicitations à eux. Et voilà, très frustré pour ma part parce que le groupe le méritait. Et quand tu fais une partie comme celle-ci, t'aimerais finir avec la coupe dans les mains. Ouais, tu disais, deuxième mi-temps, même vous perdiez 1-0, 2-0, et le nombre d'occasions que vous avez eues dans la surface, c'est quoi? C'est la peur du dernier geste? Qu'est-ce qu'il a manqué? Je pense que le réalisme, j'avais prévenu à la mi-temps, je leur avais clairement dit que si Ozon avait le malheur d'ouvrir le score, que ça allait être compliqué pour nous parce qu'ils allaient vraiment très bien défendre. Et c'est ce qui s'est passé, et on a eu nous deux largesses défensives qui nous ont coûté le but. Et devant nous, on avait les moyens de revenir à un partout, voire même prendre l'ascendant à un moment. Et il a manqué ce petit brin de réussite. Et voilà, c'est un samedi sans, et voilà, il y en aura certainement d'autres. J'ai de la chance, c'est que les attaquants ont tellement marqué cette année, on finit deuxième meilleure attaque du championnat, et aujourd'hui ça nous a pas réussi. Justement, il ne faut pas tout jeter à la benne, parce que vous avez fait un bon championnat, un très bon championnat, et une Coupe Régis Failly où vous attendiez pas forcément à aller en finale et la jouer. Finalement, ça reste quand même, Antonio, une très belle saison quand même pour les Portugais. Ouais, franchement, cette finale était vraiment pas au programme. On a eu une première partie de saison un peu compliquée en championnat, et là, on a fait en deuxième partie une série de 10 matchs sans défaite avec des très très belles victoires. Donc, on finit sur une cinquième place qui est honorable, mais qui pour moi aurait pu être encore un peu mieux parce qu'au vu de la qualité de l'effectif,
Mais bon, voilà, on termine avec une finale. Ça nous permettra de corriger certains défauts pour l'année prochaine et de repartir sur une plus belle année et espérer une montée pour l'année prochaine au bout de 3 ans en promo. Merci à toi, Tonio. Merci à toi, oui.